Vous êtes sur TPT Plus, la chaîne panafricaine de Diaspora. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce bulletin d'information dont voici le déroulé. Au Congo-Brazzaville, le patrimoine culinaire à l'honneur pendant une semaine. Hier mardi 20 décembre 2021, le ministre du Tourisme et des Loisirs a lancé une semaine de la gastronomie congolaise dans les 12 départements du Congo pour les faire découvrir et déguster. Et les mets sont mal ou peu connus des habitants du pays. Cannes au Cameroun, le 9 janvier, on donnera son coup d'envoi. Toujours hier, mardi 21 décembre, cette fois-ci à Yaoundé, le président Patrice Motsepe de la Confédération africaine de football a confirmé à l'issue d'une rencontre avec Paul Biya que la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun débutera le 9 janvier prochain, comme prévu, malgré la propagation du variant Omicron et les pressions des clubs européens. Au Burundi, des ONG soupçonnent une véritable hécatombe dans l'incendie de la prison de Gitega. La capitale du Burundi était ravagée par un incendie meurtrier qui avait fait officiellement 38 morts et 69 blessés le 7 décembre dernier dans la prison de Gitega. Mais selon des associations locales, le bilan pourrait en réalité atteindre les 300 morts. En Guinée, le retour annoncé de Dadis Camara. Son retour favorisera-t-il la réconciliation nationale? Après 12 ans d'exil, le capitaine Moussa Dadis doit rentrer. Inculpé dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009, l'ancien chef de la junte devra-t-il s'expliquer devant la justice? Crash d'hélicoptère à Madagascar, deux survivants dont un ministre. Deux survivants et deux disparus dans un hélicoptère qui s'est écrasé au large des côtes nord-est de Madagascar, dont le secrétaire d'État à la gendarmerie qui a nagé près de 12 heures pour rejoindre le rivage. En Somalie, le Conseil de sécurité ONU renouvelle le mandat de l'AMISOM pour 3 mois. La mission de l'Union africaine chargée de lutte contre les Chebabs en Somalie pour 3 mois a été finalement prolongée par le Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que le mandat de l'AMISOM. Le scénario était attendu. La réforme de cette mission que tous appellent de leur vœu est retardée par les divergences qui opposent notamment l'Union africaine et l'ONU sur le futur de cette mission. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.